08 90 37 38 38. Sur d'autres terres, au même instant, dans des millions de galaxies, des hommes attendent un jour meilleur. Et le spectacle. Gauche caviar. Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous donner le synonyme de gauche caviar. Qu'est-ce que ça veut dire gauche caviar? Ça fait déjà quelques années qu'on l'utilise. Mais c'est quoi? Ça vient d'où, cette expression? Et qu'est-ce que ça veut dire gauche caviar? Ici et maintenant, 95.2, la radio. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant, sur 95.2 FM et sur l'internet icietmaintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous au site internet davidabbassi.com. Ce que vous venez d'entendre, c'est la voix de Morgane. Morgane, il y a déjà plus de 25 ans. Elle était tout petit, première enfant animatrice de la radio. Après les autres, ils nous ont imités. Et ça, c'était Morgane. Voilà, Morgane actuellement, elle est notre directrice sur cette antenne. Et elle anime ses émissions tous les jours de 14h. Et je vais vous donner le synonyme de caviar. Ça vient d'où? Comme vous avez pu entendre Morgan, il y a déjà des années. Alors, il y a déjà des années que je suis à votre service sur l'antenne de la radio Ici Maintenant, sur Persian CNN .tv, sur Radio Paris .net. Depuis 1983, je suis à votre service dans le média que je viens de citer, d'autres médias internationaux comme consultant. E24 News, Al Arabiya, Al Hadaf, TV5, et beaucoup d'autres, Pars TV, beaucoup d'autres médias, radio, télévision mondiale. Alors, depuis toujours, ce n'est pas seulement l'islam politique que je vous ai inventé depuis 1978-79, ou par exemple l'islam de France, que j'ai fait deux livres à ce sujet dans les années 80. Alors, gauche caviar aussi, ça a commencé depuis l'époque de président François Mitterrand. François Mitterrand, socialiste, gouvernement socialiste, Georges Marchais, patron de Parti communiste français, et parmi ses ministres, un gouvernement 100% de gauche. Alors, gauche, il dit des choses, des promesses, et paroles d'espoir, mais... Mitterrand, il a fait ce qu'il a pu. Je ne veux pas critiquer François Mitterrand. J'ai beaucoup de respect, par contre, pour Mitterrand et ce qu'il a fait pendant 14 années de pouvoir. Mais la gauche caviar a commencé avec son gouvernement. À l'époque, sur cette antenne, j'ai évoqué l'histoire de caviar. Et puisque c'était, vous savez, au 12 mois de février de chaque année, il y a journée nationale de la République islamique d'Iran. Ils fêtent partout dans le monde, qu'ils soient en Iran et à l'étranger. Et à Paris, ils fêtent à l'ambassade de la République islamique d'Iran, avenue Iéna, et d'autres endroits, c'est la résidence de l'ambassadeur de la République islamique d'Iran. Depuis toujours, il fait ça, ce jour-là, et il invite plusieurs personnalités, toutes les personnalités, l'ambassadeur, les délégués, les gouvernements actuels, les gouvernements, ex-gouvernements, les gens de pouvoir, il invite tout le monde, environ 4000 invitations il envoie. Maintenant, avant peut-être ça commençait avec 200-300 dans les années 80, maintenant plusieurs centaines ou peut-être plusieurs milliers d'invitations il envoie. À l'époque, je me rappelle, il y avait l'histoire de Vahid Gurji.
Vahid Gorgi, on voulait l'arrêter à cause de certains actes terroristes commis par la République islamique d'Iran en France, dans les années 80. Il y avait polémique partout dans les médias, et Vahid Gorgi, qui était membre de l'ambassade de la République islamique d'Iran à Paris, on voulait l'arrêter et il se réfugiait à l'ambassade d'Iran. Après quelque temps, suite à un accord avec le gouvernement, il a pu quitter la France sans être jugé. Alors à l'époque, gouvernement de la République islamique d'Iran était mal vu partout, de fond, de cœur et de la parole. Parce que cœur et parole, de temps en temps, n'est pas la même. Mais à l'époque, c'était presque pareil, puisque ça faisait quelques mois, quelques années après la révolution islamique d'Iran, beaucoup de massacres, beaucoup d'assassinats et tout ça, il y avait une opposition réelle de l'Occident contre la République islamique d'Iran. Pour ça, si quelqu'un il donnait la réponse positive aux invitations de la République islamique d'Iran, aller dans les fêtes nationales, en plus il dit national, mais c'est le jour de la victoire de la révolution islamique d'Iran, que Khomeini rentre en Iran, et la révolution islamique et exportation de terroristes, et tout ce que vous voyez depuis 44 ans, c'était pris place dans le monde politique. C'est la journée de la révolution islamique d'Iran, il dit journée fête nationale. Alors, à l'époque, je me rappelle, parmi les personnes qui assistaient à cette fête à l'ambassade d'Iran, il y avait M. Jean-Marie Le Pen. Alors, j'ai commencé à critiquer sous l'antenne, que voilà, M. Le Pen, c'est vrai qu'on dit qu'il est extrémiste, il est de droite et tout ça, mais quel rapport avec la République islamique d'Iran qui est musulman, puisque Front National à l'époque, hein, surtout, elle était beaucoup contre, d'habitude, contre les étrangers, contre les musulmans, contre les arabes et tout ça. J'ai dit, malgré tout ça, lui, il était présent à la réception de l'ambassade de la République islamique d'Iran. Ce débat a pris entrée dans le média français, on parlait partout, voilà, oui, Le Pen, il était allé à l'ambassade d'Iran, patati, patata. Après un jour, on a questionné M. Le Pen. Dans les années 80, 1980. On a questionné M. Le Pen, on a dit, monsieur, quand même, avec toutes ces situations-là, vous étiez allé à l'ambassade d'Iran. Alors c'est là qu'il commence Gauche Caviar, écoutez bien. Il a dit, écoutez, écoutez, quand je suis là-bas à l'ambassade, on me sert de caviar. Seul endroit que je mange bien les caviar, c'est l'ambassade d'Iran. C'est pour le caviar que je vais. Il a lancé ça, il a dit ça. Et après quelque temps, David Abbasi, moi-même, j'ai constaté que malgré toutes les oppositions en parole contre la République islamique d'Iran par certaines politiques, il y a une magouille. Il y a une négociation, il y a des accords cachés avec l'Iran et surtout par la gauche. Par la gauche. Comment ça se fait? Alors la République islamique d'Iran, elle était membre de pays non engagés, on dit à l'époque, c'était Libye, Syrie, tout ça, les pays socialistes. Et en même temps, il était entré dans l'international socialisme, mais pas officiellement par le gouvernement islamique d'Iran, comme actuellement il a deux tendances. Tendance modérée et tendance intégriste. Tendance modérée, tout le monde le soutient. Mais c'est la même chose. C'est double face de la République islamique d'Iran. Il a une face pour toi, qui est français, américain, anglais, une face pour le peuple iranien. Pour le peuple iranien, c'est extrémiste, massacre même jusqu'à aujourd'hui. Tumaj Saleh a été libéré avant-hier, rapport iranien, après énormément de tortures, et il a diffusé une vidéo de 15 minutes
Il raconte comment il était tortouré, tout est cassé, patati patata. Je l'ai diffusé hier, aujourd'hui, dans mon chaîne internationale. Mais ce monsieur-là, le rapport qui a été libéré avant-hier, on l'a arrêté hier, de nouveau. Et il est parti en prison, et encore les tortures qui vont commencer. Prix Nobel, Narges Mohammadi, il a des problèmes. L'autre prix Nobel, Shirin Ebadi, il a des problèmes. Et le massacre de la jeunesse iranienne, que ça continue surtout depuis l'année dernière, l'histoire de Marseille, tout le monde est au courant. Alors cette République islamique iranienne n'a rien changé, mais depuis les années de caviar de Jean-Marie Le Pen, beaucoup de gens, pas de droite seulement, de gauche aussi, ils ont pris de contact avec la République islamique d'Iran. C'est ça que l'histoire de gauche caviar a commencé. Et personne jusqu'à aujourd'hui, ici et maintenant, nous sommes le 1er décembre 2023, vous demandez comment ça s'est commencé, pourquoi ça s'est commencé, qu'est-ce que ça veut dire gauche caviar, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Les journalistes, n'importe qui, ils ne savent pas. Même monsieur Laurent Geoffrin. Laurent Geoffrin, en 2006, il a fait un bouquin. Gauche caviar, il a fait un bouquin. Mais le secret que David Abbassi va vous dire, il ne le sait pas. Il ne parle pas de ça dans son bouquin. Pourquoi j'ai commencé à prononcer gauche caviar? Pourquoi à l'époque j'ai dit gauche caviar, comme l'islam politique que j'ai inventé? Pourquoi ça? Pourquoi l'islam de France? Et pourquoi gauche caviar? C'est là. Alors si c'était seulement Le Pen, M. Jean-Marie Le Pen, qui mangeait le caviar à l'ambassade d'Iran, je ne pourrais pas dire gauche caviar. Mais puisque les socialistes, ils ont commencé, et les partis de gauche, à avoir des relations, des contacts, d'amitié avec la République islamique d'Iran, à l'époque, j'ai fait quelques émissions en parlant de tout ça, et j'ai dit, c'est gauche caviar, Le Pen il a dit que c'est pour le caviar qu'il va aller à l'ambassade d'Iran, mais ces gens-là, ils ne disent pas, mais c'est pour le caviar. Le caviar, c'est quoi? Ce que notre président Macron, il a dit. Macron, il a dit, je vais interdire le financement des étrangers dans nos élections. Comme Hollande, qu'il a dit, je suis l'ennemi de finances, mais il n'a rien fait. Quand vous dites, vous posez la question, il va dire, je peux pour faire quelque chose. Macron, on ne laisse pas de faire quelque chose s'il veut faire quelque chose. Financement étranger dans les élections du monde. Et bien sûr, ce n'est pas les ambassades qui vont faire des chèques. Il y a énormément de compagnies qui travaillent avec le monde entier. Et ces compagnies-là, ils sont des compagnies internationales, françaises, germaniques, britanniques, américaines. Ces compagnies-là, pétrolières ou non, il faut faire le chèque de caviar pour le gauche et droite. À l'époque, vous êtes au courant, le monsieur Laurent Douma. J'ai beaucoup de respect pour Douma. Monsieur Douma, bonjour. Beaucoup de respect. Je suis en train de donner des informations, de parler comme un écrivain, comme un journaliste, comme un philosophe. Aucune hostilité contre vous, mon cher ami. Ami Roland Douma. Vous voyez, vous êtes au courant que des procès ont été commencés contre Douma pour 100 000 francs à l'époque. Après, la même chose contre Alain Juppé. Après, la même chose contre Jacques Chirac. Même j'ai interviewé Eric Alphen. Et l'histoire de procès contre Chirac a été commencée. Mais c'était de droite, certains. Mais certains aussi, c'était de gauche. De gauche. Des relations qu'il y avait. Alors, on peut dire comme un avocat, ou comme je ne sais pas quoi, entre les intérêts de la République islamique d'Iran avec certains avocats français qui étaient de gauche, etc., etc. Ça, c'était en cachette. On ne savait pas. Mais après, vous pouvez aller chercher sur l'internet, vous allez voir les photos des personnalités de gauche, des copains, des amis de président Mitterrand, comme Jacques Lang, comme Michel Rocard, comme beaucoup d'autres personnes, que même, ils étaient allés en Iran.
Alors, on peut dire sur quel prétexte ils étaient allés sur l'Iran. Chacun, il va trouver des choses. Jacques Lang, il va dire que j'étais allé chercher l'argent pour l'Institut du monde arabe. L'autre, il va dire que j'étais... Par exemple, Michel Lecor, je suis au courant, il était allé pour chercher l'aide pour repatrier l'armée française de l'Afghanistan. Mais le problème, quand il est retourné ici, il m'a dit, David, ces gens-là, ils sont très gentils et très intelligents. Pourquoi tu es contre eux? Je lui ai dit, mais Michel Lecor, ton bureau qui était là, je le voyais presque deux, trois fois par semaine. Même avant de partir, il m'a informé, quand il est retourné, ou s'il m'a informé, comme quoi, ces gens-là sont très intelligents, les Iraniens. Toi, tu n'as pas de raison de contester ces gens-là. Vous voyez, ça a changé. Gauche, caviar. Et j'ai dit, Monsieur Lecor, est-ce que vous avez mangé de caviar à Téhéran? Il a dit à l'hôtel, lui. Il y en a autre chose, beaucoup d'exemples. Par exemple, même président Mitterrand, à l'époque, il envoie sa femme, Danielle Mitterrand. J'ai posé moi-même la question. J'avais entendu, mais à l'époque, j'ai posé la question à Danielle Mitterrand. J'ai dit, madame, est-ce que c'est vrai que vous étiez allée en Iran rencontrer le pouvoir iranien et leur famille? Oui, j'étais allé pour ça. Toujours, il y a un alibi pour négocier. Mais j'ai dit, madame, on m'a dit que vous aviez porté le voile. Ah oui. J'étais obligé, j'étais dans le pays musulman. J'étais obligé. Mais comme vous pouvez constater, aujourd'hui, ici et maintenant, nous sommes le 1er décembre 2023, les femmes iraniennes, ou même en Iran, ils ne portent plus le voile. Et qu'est-ce qu'ils donnent? Leur vie. Ils se sacrifient. Environ 500 filles étaient assassinées depuis l'année dernière pour qu'il a enlevé le voile. Il a brûlé son voile. Et actuellement, si vous regardez les films qui viennent d'Iran, les vidéos, une grande partie du peuple iranien, surtout les filles, ne porte plus le voile. Mais à l'époque, la femme de président français, pays laïque, elle porte le voile pour aller négocier, parler avec eux. C'est gauche, caviar. Il y a toujours les intérêts. Autre chose, très important, ce n'est pas très ancien. Les années 80, dans les années précédentes, le président François Hollande et le président, un homme fort dans son gouvernement, c'est Manuel Valls. Manuel Valls, il va être ministre intérieur, il va être premier ministre. Un jour, CRIF, il va organiser une conférence pour Manuel Valls. Carlos Manuel Valls. Il a le prénom de Carlos aussi dans sa carte d'identité, comme la plupart des gens qui ont plusieurs prénoms. Alors, Manuel Valls, CRIF, il est en train de parler. Et après, à la fin, notre ami, le barbeau, Meyer Habib, député des Français à l'étranger, d'origine juive. Vous le connaissez, Meyer Habib. Il pose la question à Manuel Valls. Il dit, Monsieur Manuel Valls, mais vous avez décidé sur ça concernant l'Iran, la République islamique d'Iran, c'est un pays reconnu terroriste moi, dans le monde entier, totalement. Alors, qu'est-ce qu'il répond, Manuel Valls? Gauche caviar. Il dit, ah non, écoutez, la République islamique d'Iran n'est plus terroriste. Même Salman Rushdie, il dit ça, Manuel Valls, gauche caviar. Il continue à dire. Même Salman Rushdie, lui-même, il a dit que la République islamique n'est plus terroriste. C'est fini. Après, quand il descend, je dis, monsieur, qu'est-ce que vous avez dit? C'est une erreur fondamentale qui te vient de dire. République islamique d'Iran n'est pas terroriste. Hier, il a tué 14 personnes. Avant, il a tué. Il n'est plus terroriste. Gauche caviar. Alors, gauche caviar, avoir cœur à gauche, avoir la parole à gauche. Mais, le portefeuille, il est à droite. Le portefeuille, il est aux intérêts. Aux intérêts.
C'est ça, Gauche Caviar. Gauche Caviar, il parle. Il dit des choses qu'on doit le faire dans la République. Mais quand il est au pouvoir, il ne fait pas ce qu'il a dit quand il n'était pas au pouvoir. C'est Gauche Caviar. C'est ça, la Gauche Caviar. Et la Gauche Caviar, il va trouver de n'importe quelle façon une petite route ou une grande autoroute pour dire Hamas n'est pas terroriste. Hamas, il fait de résistants. Hamas n'est pas terroriste. Il défend son patrie. Quelle patrie? J'ai un enregistrement vidéo. Vous pouvez regarder Origine de Jérusalem. Origine de Jérusalem, ça vient d'où? Écoutez-le. Sur l'internet, vous tapez. Alors, les Palestiniens, depuis la création de l'État d'Israël jusqu'à maintenant, ils sont en guerre avant qu'ils soient contre Israël tous les 10 ans, 5 ans, 20 ans. C'est toujours, ils sont en guerre entre eux. Ils se font tuer entre eux. Même Hamas, il avait assassiné, tué plusieurs membres de parti Mahmoud Abbas il y a déjà quelque temps. Même actuellement, on ne nous dit pas, je ne sais pas vous, Mahmoud Abbas, il est où? Il y avait une tentative d'assassinat de Mahmoud Abbas il y a déjà 2 semaines. Son garde-corps était assassiné. Ah, Gaza! Lui-même, il est où? Alors, ce moment-là ne sont plus terroristes. C'est gauche. Caviar. Et en plus, je veux vous dire, beaucoup de personnalités socialistes de gauche, ils sont dans le contact avec la République islamique d'Iran. Parce que Qatar, c'est l'enfant d'Ali Khamenei. C'est son bébé. J'avais dévoilé l'histoire de Hamd bin Tamim, qui est et comment il a pris le pouvoir, de quelle origine il est. Il est iranien. Sa mère, elle est iranienne. J'avais fait plusieurs émissions, vous allez écouter. Madame Mouze, princesse Mouze, c'est une femme forte de pouvoir. C'est une femme de sagesse, d'intelligence. C'est elle qui gouverne Qatar depuis plusieurs années. Elle est d'origine iranienne. Elle vient de la ville de Shiraz. Zohreye Shirazi. Esmeche, c'est son nom. Zohre. Elle a réussi. Au moment que son père était en prison, dans les années 70, à Qatar, de se marier, de devenir troisième femme de prince héritier de Qatar. Ils se marient avec. Tout de suite, elle fait en sorte de virer le papa et mettre son mari héritier au pouvoir. Son mari, il est au pouvoir. Et après, quand son enfant il est grandi, Hamd bin Tamim, il va le mettre au pouvoir, il va virer son mari. Et le conflit qu'il y a entre Qatar avec les autres pays, Arabie Saoudite et tout ça, puisque Arabie Saoudite, ils savaient, ils ont des espions, Israël, il sait, les Américains, il sait. En plus, ce n'est pas seulement Qatar, même aujourd'hui, Biden, il soutient la République islamique d'Iran. C'était Biden, vous ne savez pas, qu'il a donné plusieurs milliards de dollars de l'argent qui était bloqué, l'argent iranien, était bloqué en Amérique et dans le monde entier, en Irak, en Chine, en Inde, l'argent iranien, plusieurs milliards, était bloqué suite à l'embargo. En 17 milliards de dollars, mais en réalité, c'est 45 milliards de dollars qui ont été libérés. Et l'Iran, il a obtenu ça, et il a géré avec Qatar l'attaque de Hamas. Mais on ne nous dit pas, gauche caviar, c'est ça, mes chers amis. Gauche caviar, il dit ce qu'il faut faire, mais il ne fait pas ce qu'il dit, c'est gauche caviar. Le cœur à gauche, les mains vers droite, pour l'argent. Ne pensez pas que ça c'est terminé, c'est fini. Non, même jusqu'aujourd'hui, ici, maintenant, je suis en train de parler avec vous.
il y a un comité, un groupe d'amitié de parlement, même parlement français, avec 50 membres. L'amitié entre la France et l'Iran, les députés, 50, de toutes les partis politiques, de Modène, la Républicaine, la République en marche, Agir ensemble, Défense et liberté de Trétoval, 50 personnes. Depuis 21 juin 2022, c'est récent, vous pouvez consulter le site de l'Assemblée nationale, ils sont dans le comité, dans le groupe d'amitié des députés français avec l'Iran, les députés iraniens. Bien sûr, l'Iran, il joue toujours avec modéré, patati patata, Rouhani, Raisi, patati patata. Mais tout ça, c'est le même. Le pouvoir iranien depuis 44 ans, c'est le même. C'est les mêmes, mais seulement une fois, j'avais une conférence à Grand Orient, ça fait des années à l'époque de Khatami, Grand Orient, j'avais une conférence à l'époque, 1995, j'ai dit, c'est une fabrication d'État islamique en Iran, les deux tendances, tendance modérée et tendance extrémiste. Extrémiste pour l'intérieur, modérée pour vous, pour vous, voilà. Et c'est ça que vous allez voir. On ne peut pas dégager le terrorisme de champ mondial avec la démagogie, avec gauche caviar. Vous savez, le caviar, le meilleur caviar du monde, ça vient d'Iran. Caviar, c'est lié avec le nom d'Iran. On peut fabriquer du caviar à droite, à gauche, maintenant. Mais caviar, le plus intéressant, c'est le sud de mer Caspienne, et c'est l'Iran. C'est pour ça que l'Iran est connu avec caviar. Et caviar, ça veut dire finance iranienne. Voilà. Quand j'ai inventé ce mot-là, dans les années 1980, et pour la première ou deuxième fois, comme beaucoup d'autres choses que j'ai inventées, j'ai dit dans mes bouquins, dans mes émissions, dans mes articles et tout ça, l'origine, personne ne savait pas. Depuis quelque temps, n'importe qui je vois, ancien ministre, ancien sénateur, actuellement sénateur, journaliste, je dis, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire gauche caviar? Personne ne sait pas répondre. Ah, gauche caviar, c'est quoi l'origine? Comment ça s'est commencé? Aujourd'hui, je vous ai dit, tout ce que j'ai fait, c'était gratuit. Jamais je vais demander copyright. Mais gauche caviar, ça veut dire ça. Dernière chose, Valéry Giscard d'Estaing n'est plus là. Mais vous savez, il n'était pas de gauche. Mais il était présent au Parti national. Parti, ça veut dire les fêtes annuelles de l'ambassade d'Iran à Vienne. Même Giscard d'Estaing, il était présent. Jamais on ne nous a pas filmé, au mois de février, les gens qui entrent chez l'ambassadeur à la maison, ou les gens qui entrent à l'ambassade, parce qu'en fait, deux fois, trois endroits, ils ont un appartement à Nouy, l'ambassade d'Iran à Avenue Yéna, et à côté de Avenue Téhéran, Paris 8e, c'est la résidence de l'ambassadeur. Actuellement, il n'y a pas d'ambassadeur, c'est chef. Quoi, l'ambassadeur n'est plus là, ah, ils ont mis quelqu'un d'autre, Seyed Hosseini, c'est mieux phare. Mais de toute façon, chaque année, l'ambassade d'Iran, il fêtait, et il y avait de toutes les personnalités présentes là. Mais après, il y avait d'autres choses. C'est pour ça, si vous voyez certains éléments qui jouent dans la politique internationale, soyez sûr et certain qu'ils sont plantés partout, et coûtent plusieurs millions. Si vous comptez ensemble, ça fait plusieurs millions de personnes. Ils ont manifesté. En France, c'était interdit. En Odo. Mais en Allemagne, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, New York, patata, partout. Dans les pays musulmans, on ne parle pas. Plusieurs millions de personnes, ils ont manifesté en faveur de Hamas. Ça, c'est des finances. Ça, c'est de l'argent. Ce n'est pas tout, seulement le Qatar qu'il donne. C'est le pétrole. Et surtout depuis que la République islamique d'Iran, il a fait la paix
avec l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire maintenant, il y a une concurrence entre eux, mais liée. Mais à l'époque, il était contre. À l'époque, le missile de Yémen, qu'actuellement, il est adressé en Israël, c'était adressé en Arabie Saoudite, le missile de Yémen. Vous voyez ? Maintenant, l'Arabie Saoudite, c'est vers Israël. C'est l'union sacrée des pays musulmans. Ils ont leur concurrence, mais ils sont là. Et gauche caviar, vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire, mes chers amis. Gauche caviar, ça veut dire ce que vous avez bien compris, que bien sûr, vous ne saviez pas avant, mes chers amis. La radio. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet icietmaintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous.